She loves, she loves, she loves, she drinks coffee, she loves, she drinks tea, she loves, and roasted cook, she loves, see that woman, dressed in red, smile at the man when you wake up in his bed, see that woman, dressed in black, wink at the man and the snap on his back. Donc là, on s'est occupé du chevreuil, on va s'occuper des betteraves. Voilà, donc dans ton assiette, tu auras quoi? Donc t'as... Très simple, juste des cassis sauté au vinaigre. D'accord. Des betteraves cuites dans un petit bouillon avec de la crème de cassis. Et notre sel de chevreuil grillé. Super. Basta. Ok. On s'occupe donc des... Voilà, bah, si tu peux me couper les fans, à peu près, en laissant à peu près 4 cm. Ouais, tu veux que ça soit un peu voilà. Visuel. Moi, je vais gratter un petit peu. Bon, ça. J'avais déjà un peu au préalable enlevé la terre sur le radicel. Donc là, l'accompagnement, c'est juste du radis, quoi. De la betterave. Tout à fait. Oui, uniquement de la betterave. D'accord. Donc après, c'est vrai qu'à la maison, peut-être là, je fais l'assiette comme on l'a fait au restaurant. Maintenant, on remet une petite garniture de pommes de terre quand même en plus. Mais c'est là, ce que j'allais dire. Voilà. Mais là, je voulais vraiment juste montrer l'assiette. Voilà. Bon, ces betteraves-là, on va les cuire. Mm-hmm. Donc quand elles sont petites comme ça, bah, juste donc eau. Sel et puis un petit peu de crème de cassis. Voilà. D'accord. Pour donner du parfum au jus. Mm-hmm. Et ce même jus, on le fera réduire pour reglacer au dernier moment nos betteraves et on additionnera un petit peu de beurre. Quoi. Et tu vas accompagner la viande quand même avec un jus Tout à fait. Donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, quand on a désossé la selle de chevreuil, ces os-là, bien évidemment, on les garde. Hein, c'est précieux, c'est très très précieux. On fait des beaux sucs avec en les faisant caraméliser. Une jolie garniture aromatique, carottes, oignons, ail, céleri branche, etc. Beaucoup de vin rouge, de l'eau, et après, bah, le secret, bah, c'est temps, tu mijotes, voilà, tu réduis gentiment, etc. Mm. Et on fait un beau jus de gibier, quoi. D'accord. Voilà. T'aimes bien le gibier d'ailleurs? Oui, c'est une viande que j'apprécie parce que c'est souvent, on va dire, considéré comme une viande qui est forte, etc. Mm. Sauf que bah, c'était des vieilles idées, et maintenant, c'est plus vraiment le cas. Là, en l'occurrence, un dos de chevreuil comme ça, c'est très très fin, c'est très agréable. On va le cuire comment? On va le griller. D'accord. Un peu pour le sortir de son gigot, quoi. Hein, pour faire quelque chose de plus soft, plus simple. Et on n'a pas forcément aussi. L'habitude de le voir. Quoi. Meilleur, je sais pas. Bon, on verra la dégustation. Ça. Donc là, tu vas juste mettre donc de là, l'eau. Un petit peu. Donc la crème de cassis. Ah, d'accord, crème de cassis. Voilà, tout à fait. Mmh. Un petit peu d'eau. Et là, ça va cuire pendant combien de temps? Et là, bah, faut compter une bonne vingtaine de minutes. Quoi. D'accord. Et à couvert, pour garder l'humidité absolument dans la casserole, hein, ça fasse un cycle. Mmh. Par contre, voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est que ce même jus de cuisson, on le gardera par la suite pour bien redorer relaquer nos betteraves. D'accord. Avec, voilà. Donc pendant que ça cuit, qu'est-ce qu'on fait? Alors pendant que ça cuit, on va faire sauter les cassis. Ouais. Avec du vinaigre. Super. Enfin, c'est même pas vraiment sauté. On va faire chauffer une petite quantité de vinaigre. Donc ça, c'est du vinaigre... Là, on est sur un vinaigre d'échalote. Ok. Voilà. Donc là, tu les laisses... une première ébullition. Voilà, c'est ça. On attend que ça boue. Donc là, c'est bon. Voilà, tout à fait. On met les cassis. Comment t'as eu cette idée justement de recette? Enfin, t'es parti de quoi? C'est pourpre, quoi. On a la viande de chevreuil qui est relativement rouge en tirant même sur le bordeaux. Le cassis qui est bon, voilà, c'est pas nouveau. C'est très, 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 très rouge. Mmh. La betterave, pareil. Donc on est sur un monochrome. Ouais, c'est un camailleux de rouge tirant même sur le violet, quoi, finalement. Voilà. D'accord. À toi, t'es parti là. Tu pars carrément des couleurs pour élaborer tes recettes. Ah oui, complètement, beaucoup, beaucoup. Et puis aussi, bah voilà, c'est, ça tombe sous le sens, quoi. Il y a les betteraves nouvelles, il y a les cassis, il y a du chevreuil. Bah qu'est-ce que j'en fais? Bah j'en fais ça. Voilà, Les associer. Voilà, pour le coup, même la colorimétrie reste la même. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Bon, c'est pas un hasard non plus si en même temps les légumes et les fruits et les viandes se retrouvent de la même couleur. Voilà, c'est la saisonnalité qui fait ça pour beaucoup de choses. Donc là, tu attends que ça soit quoi? Complètement évaporé? Que les cassis aient un petit peu, soient un petit peu flétris par le vinaigre. D'accord. Quoi, je veux dire. Voilà. Voilà. Donc voilà, là ils sont à point. D'accord. Voilà. Donc là, c'est bon. Ils ont un peu transfusé. Le cassis a pris le goût du vinaigre et inversement, le vinaigre a pris le goût du cassis.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on va commencer à cuire, à songer notre... gentiment au dressage. Donc, cuire notre sel à la dernière minute parce qu'on va la servir rosée. Voilà. Alors, on y va ? Goûte ? On goûte ? Écoute, moi, ce que je te propose déjà, c'est de prendre un peu de sauce quand même. D'accord. Moi, je le sens privé. Mmh. Elle était là, sur la viande, gentiment, super, comme ça. Mais c'est bien, je trouve, de la servir en salle, parce qu'en plus, elle est bien chaude. Et puis au moins, bah, voilà, tout à fait, ouais, t'as une belle assiette qui arrive. Bah, ça fait pas piscine dans l'assiette, quoi. Mmh. Donc ensuite. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de faire la bouchée parfaite. Tu prends un morceau de ta viande. Oui. Voilà, que tu fais baigner un petit peu dans la sauce. D'accord. Hop, tu repiques un morceau de betterave. Oui. Et un cassis avec. D'accord. Et là... Là, normalement, c'est le top. Bah, j'espère. Tu veux me dire ce que t'en penses? Mmh. Alors? Bon, ça va. Mmh. C'est vraiment bon. C'est pas mal. En fait, ce qui est vraiment sympa, c'est le cassis qui est... Bah, il amène beaucoup de vivacité. Ah ouais, il amène de la vivacité. Ta viande est excellente. Voilà. Vraiment, là, elle est tendre. La sauce est divine. Et puis hop, t'as le petit côté terreux là avec la betterave. Voilà. Mmh. Sur des choses assez rondes, la betterave, le chevreuil, la sauce qui est un petit peu épicée, donc c'est plutôt rond. Mmh. Et le cassis qui vient donner paf, un ouais, petit peu de peps. C'est comme un ça, bon, voilà, une belle combinaison. Voilà. Mmh. Ah super. Pour accompagner ce plat, donc t'es parti sur du rouge. Ah ben un petit chinon. Ouais. Ouais, ça va bien, ça avec les côtés épicés de d'accord, la sauce, un petit vin un petit peu riche en soleil. Ok, ça voilà, marche. Et donc pour le dessert. Ah ben alors pour le dessert, on va aller se faire violence, là, on va aller faire les myrtilles. Avec fromage frais. Voilà. D'accord, le mariage entre les deux, quoi. Voilà, tout à fait. Ben, santé. Santé.